Bonsoir à tous les grands, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui et pour essayer un peu de parler des yeux. Très important, les yeux à tout prix. Parce que les yeux vont déjà nous signaler que, ah, Tanti, tu es déjà fini, ok? Alors, du coup, on a besoin d'hydrater la zone de l'œil pour éviter les ridules, éviter les rides. Alors ici, j'ai quatre différents contours des yeux, voilà. Alors ici, c'est le contour des yeux éclaircissant. J'ai eu à parler de ça, je crois, dans une de mes vidéos récemment. Le contour des yeux éclaircissant, Skin Chemist, bien sûr. Nous avons les contours des yeux à la base de pomme, Skin Chemist toujours. Nous avons les contours des yeux anti-rides, Skin Chemist toujours. Et à la quatrième position, nous voyons le contour des yeux hydratant de nuit, rénovateur contour des yeux. Contour des yeux éclaircissant, c'est pour ceux qui ont des pommes décernées. Vous avez des cernes prononcées ou encore pas prononcées, vous savez voir, non, 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 j'ai un peu de cernes, il y a un peu de décalage, vous avez besoin d'un contour des yeux éclaircissant. Alors, nous voyons le contour des yeux à la base de pommes. Le contour des yeux, si c'est un anti-âge, tout le monde, tu as des cernes, tu n'as pas des cernes, tu as des poches des yeux, tu n'as pas des poches des yeux, tu as besoin d'utiliser ça, c'est super. Ça hydrate la peau et puis ça rajeunit aussi le contour de l'œil. C'est super, c'est super, c'est super, je le recommande. Et puis nous avons le contour des yeux anti-rides. Anti-rides, vous avez déjà des ridules encore, vous n'avez pas des ridules, il faut toujours travailler le contour de l'œil en avance. Il ne faut pas être là et puis tu attends les rides et voilà. C'est super ça là aussi, j'ai eu à parler de ça plusieurs fois. Nous avons le contour de l'œil hydratant de nuit. Super rénovateur contour des yeux. Et donc ça travaille la nuit, voilà, vous allez poser ça comme masque, moi je pose ça comme masque, c'est super. C'est que je comprends pas, je sais pas pourquoi la compagnie ne vend plus ça, donc c'est discontinu. Et donc voilà, c'était à 90 livres, voilà. Et donc voilà, les contours de l'œil sont là, ma chérie, tu n'as pas encore commencé à utiliser le contour de l'œil, il est temps, il faut travailler l'œil, c'est vraiment méga méga important, c'est important important. Tu es là, tu n'as jamais utilisé le contour de l'œil, laisse-moi te dire que tu es en retard et puis tu vas te réveiller un jour comme ça, tu as déjà des ridules, tu as déjà des rides. Travaillons le contour de l'œil au quotidien. Le matin après la routine, tu travailles, tu vas utiliser le contour de l'œil et puis le soir. Alors, le contour de l'œil qui vient comme ceci. C'est deux avec ça là. Donc c'est deux, ça vient avec tête, donc avec bol, voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Vous allez juste ramener ça. Vous allez ramener ça vers l'œil. Et puis c'est parti en mouvement circulaire. Donc vous allez faire le contour. Vous allez faire le contour tout doucement. Et puis après maintenant, vous allez venir masser. Masser très bien. Masser très bien. Et voilà. Vous massez comme si vous le pressez. Pas masser, masser comme ceci. Mais vous le pressez. Vous le pressez. Vous le pressez. Comme ceci, insister là, 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 et puis les restants venez aussi au milieu. Voilà, très important. Donc, le contour de l'œil qui vient avec bol, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Donc, c'est direct. Vous allez venir là, et puis c'est parti. Vous allez venir juste tapoter un peu, donner un peu pression. Voilà, et puis c'est parti. Alors, voilà, le contour de l'œil qui vient pas avec bol, c'est à vous de travailler. Vous allez faire quoi? C'est conseillé d'utiliser. Ring finger, donc là on porte bague à mariage, voilà, vous allez juste prendre, vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous n'avez pas beaucoup, besoin de beaucoup, et déjà c'est, vous allez remarquer les contours de l'œil souvent c'est 15 millis, et, mais ça coûte cher, voilà, vous avez besoin de la quantité que vous voyez là, je ne sais pas, vous allez voir, voilà, je crois que vous regardez, la quantité là. La quantité là, c'est parti. Vous allez essayer un peu de chauffer ça, chauffer juste un peu, tapoter comme ceci. Vous allez chauffer ça comme ceci, et puis c'est parti. Vous allez venir, vous allez faire la même chose. Vous avez fait avec le contour de qui vient avec bol. Vous allez venir là, 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 tout autour, et puis après, vous allez presser, presser très bien. N'oubliez pas ici, là, au coin, et puis le coin de l'œil. Simple comme ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit là, 15 millis, mais ça coûte cher. Donc, comme ça là, c'est à 95, je crois que c'est à 95 livres par euros. Voilà. Et puis, voilà. 15 millis, 95 euros. Et puis, 15 millis encore, ça c'est à 100, à 120 livres.
si je ne dis pas les bêtises. Regardez-moi ça. Juste 15 millis, regardez comment ça coûte. Donc, tu n'as pas besoin de gaspiller. Juste un peu, les deux doigts, voilà, doigts de bague à mariage, tu vas venir, vous allez faire le massage en appuyant et puis c'est parti. Le contour de l'œil, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi tu n'utilises pas ça, tu ne savais pas avant, mais j'ai eu à parler de ça. Je crois que plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai parlé de contour de l'œil, c'est très important. Et parce qu'une fois que tu n'hydrates pas la zone de l'œil, ça va te setup. Ça va te setup. Voilà, je sais que là, j'avance, mais nous voulons juste veiller un peu gracefully, comme on dit, et en beauté. Veiller en beauté, c'est super. Et voilà, donc, tu vois, me dis peut-être, justement, mon œil va bien. Et puis, voilà, ma chérie, il faut faire attention. C'est pas pour rien, on utilise les contours de l'œil. C'est juste pour prévenir. Aujourd'hui, ça va, peut-être tu vas te réveiller demain, tout bascule. Vous voyez, non? Alors, faut pas attendre. Il faut travailler l'œil en avance, travailler l'œil. Tout dépend de quel problème tu as. Tu as quel problème, faut t'observer. Est-ce que tu as les cernes? Si tu as les cernes, on a deux sortes de cernes. Il y a les cernes vraiment bien foncées noires. Alors là, ça demande autre chose. Voilà, je crois, vous que je coachais, vous savez quoi moi je vous propose. Si vous avez vraiment des cernes bien foncées, je vous propose autre chose. Mais vous avez des cernes normales et voilà, vous avez besoin d'un contour des yeux éclaircissant fort. Parce qu'il y en a, ils disent éclaircissant, mais par fini que vous allez utiliser, vous voyez pas aussi grand chose. Voilà, vous avez besoin d'un sérum éclaircissant. Ça là, c'est très fort. Juste entre parenthèses, rapidement, je crois que vous m'avez vu, ma vidéo où j'avais porté des lunettes. Je vous avais expliqué pourquoi j'avais porté des lunettes. J'avais des problèmes avec mon œil. Alors, comment j'ai traité mon œil rapidement, j'utilisais l'eau salée avec le sel de mer morte. Voilà, et donc une cuillère à table dans quelques gouttes d'eau. Donc il faut vraiment que l'eau soit bien salée. Alors du coup, j'utilisais ça dans un coton. Je venais poser ça sous l'œil. Après, ça m'a laissé un peu un truc façon un peu de décalage. Vous voyez, non? Pas trop noir, mais un peu sombre. Vous voyez? Donc, ce contour de l'œil, ça fait l'affaire. Ce contour de l'œil, ça fait l'affaire. Croyez-moi, ça fait l'affaire. Et donc voilà, c'est ça, j'utilise. Et voilà, donc c'est sûr. Vous avez des cernes, vous avez besoin d'un contour de l'œil éclaircissant. Vous avez les rides, vous avez besoin d'un contour de l'œil anti-rides. Et puis, nous tous, maintenant, on a besoin d'un sérum contour de l'œil rénovateur, hydratant de nuit, voilà, ou encore anti-âge. Voilà, n'importe quel sérum anti-âge, tout le monde a besoin de ça. Vous allez me demander peut-être justement quand est-ce qu'on peut commencer le contour de l'œil. Comme j'ai dit, observez la famille. 18 ans déjà, il faut commencer à attaquer, il ne faut même pas attendre. Voilà. Tu observes la famille, comment vous vieillissez et comment tes grandes sœurs paraissent, voilà, à un certain âge. Donc là, maintenant, tu vas comprendre. Voilà. Et donc, de là, maintenant, il faut déjà commencer à attaquer à 18 ans. Il ne faut même pas attendre. À 18 ans, commencer déjà à attaquer zone de l'œil. Maman, tu as ton ado à la maison. Il faut observer, c'est toi qui connais ta famille, voilà, tu connais ta famille, comment vous vieillissez. Et donc, si tu vois que vous avez tendance à vieillir un peu vite, il ne faut pas attendre à 17 ans, 18 ans. Cherche déjà simple contour de l'œil et pour que ton ado commence à hydrater la zone de l'œil. Il ne faut pas attendre, je vous en supplie, il ne faut pas attendre. Donc, voilà, du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment nous parler de l'œil. L'œil à tout prix, parce que l'œil va te setup. L'œil va signaler déjà que, attention, Yaya commence à partir. Voilà. Et donc, tu n'as jamais utilisé le contour de l'œil. Tu veux utiliser, si tu es intéressé à ce que je vous ai montré, tu vas me contacter sur WhatsApp. Vous connaissez déjà mon numéro. Ou encore, tu me demandes mon numéro. Je vais mettre en commentaire pour vous aider. Donc, voilà. Travaillez l'œil au quotidien, le matin et le soir. Très, très, très important. Et je me souviens aussi, j'ai aussi les masques de contour de l'œil. Vous allez bien poser ça et puis dormir avec ça. Travailler la nuit, c'est à peu près comme ce contour de l'œil. C'est à peu près la même chose parce que ça aussi, tu travailles la nuit. Voyez-nous. Donc voilà. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de souscrire. Souscrivez pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sinon, si tu as des questions, déposez en commentaire. Je vais venir pour vous répondre. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.